Bonjour, aujourd'hui je vais t'apprendre à ramasser du bois pour faire un super feu. La toile scout. La toile scout. Quand on veut faire un bon feu, il faut du bon bois. Et le bon bois, on le trouve en forêt. Et c'est du bois mort. Le bois mort, c'est un bois qui casse facilement. Comme ça. Ça, c'est l'exemple type de bois qu'il ne faut pas prendre. Parce qu'il est complètement pourri. On le reconnaît parce que quand on le porte, il est très léger. Et au toucher, il est très humide, un peu comme une éponge. Quand on le touche, il a tendance à s'effriter dans les doigts. Donc pour le feu, ne le prenez pas. Deuxième exemple de bois qu'il ne faut pas prendre. C'est le bois vert, car il est tombé au sol il n'y a pas du tout longtemps. On le reconnaît parce qu'il a une tendance à se tordre sans casser. Et pourquoi il ne faut pas l'utiliser? Parce que dans le feu, comme il est encore gorgé de sève, il ne brûlera pas. No way! Le bois mort, c'est du bois qui se casse facilement en une seule fois. Il y en a de plusieurs tailles. De l'allumette jusqu'au moyen bois. Le plus petit bois, des toutes petites brindilles, aussi épaisses que des allumettes, on s'en sert pour démarrer les feux. Et on peut les casser à trois doigts. Et voici le troisième type de bois, un peu plus gros que les deux premiers, du petit bois, qui se casse à deux mains. Pour cuisiner, il y a un bois idéal. Il fait à peu près cette taille-là, voire la taille de votre poignet. Pour des feux qui durent longtemps, on va plutôt utiliser des bûches, par exemple pour ton feu de veillée ou pour ton feu de repas trappeur, car elles se consument très lentement et produisent beaucoup de chaleur. Enfin, le bois que tu as ramassé, ne le laisse pas en plan, isole-le du sol et de l'humidité grâce à une bâche, et de même pour la pluie, recouvre-le. Si t'as aimé cette vidéo, alors abonne-toi à notre chaîne YouTube pour découvrir toutes nos autres vidéos. Si t'as aimé ce concept de tutoriel, alors lâche un pouce bleu, on en fera d'autres dans le genre, et enfin, partage-la. La toile scout.